J'avoue, ça fait 2 heures. Bonjour, alors aujourd'hui nous accueillons Amandine. Enchantée. Bonjour Amandine. Bonjour Serena. Notre nouvelle recrue. D'ailleurs, si vous voulez postuler pour faire partie de la team, il reste une place, c'est tout. Après, on rentre plus dans le cadre. Après, c'est plus possible. On va faire une vidéo avec les. Enfin, je vais lire des expressions. La première qui l'a fait tomber, elle a perdu. J'ai choisi des expressions de Marseille. Marseille bébé. Du nord de la France et de la Belgique. Et donc je vais lire les expressions et il va falloir qu'on essaie de deviner ce que ça veut dire. Alors, on commence par Marseille bébé. J'y suis pas allée depuis l'Empèbre. Bah, depuis longtemps. P-E-B-R-E, bah je pense, mais pourquoi l'Empèbre? Depuis Mathusalem. Ouais, moi aussi. Ça fait le même truc, voilà, c'est ça, je pense. Empèbre égale l'empoivre en provençal, défini un temps très lointain. C'est quoi ce gardien en bois? Bah, je pense que c'est un gardien de merde, ouais. Pip! Quelque chose ou quelqu'un en bois, référence à quelque chose mauvais, nul, pourri. Ah, c'est quoi ce mec en bois du coup? Avez-moi ce boucan! Ce boucan, ce petit boucan, attends. Le boucan, c'est le bruit. Arrêtez le bruit, non? Ouais, moi aussi, c'est ça. Avez-moi ce boucan. Un boucan se dit d'une dame ayant peu de sex appeal ou encore d'une personne connue pour sa capacité à foutre le bordel. Un boucan peut s'utiliser pour définir une quantité sonore peu supportable. C'est quoi cette chambre? On dirait un cafou. Ouais. Un cafouche. Ça, c'est ma chambre, ça. Non, mais cafouche, on dirait. C'est bordel. On dirait ouais, ouais, je pense, mais cafouche, on dirait un gâteau. Un cafouche, petit placard fourre-tout. Une cagole, bon, je sais pas, c'est une cagole. Ah, j'aimerais bien avoir la définition. La cagole a pour habitude de mâchouiller son chewing-gum confortablement installé dans sa Fiat 500 rouge, vêtue d'une jupe ras-la-touffe, de lunettes mouches et de grosses boucles d'oreilles. Elle est connue pour son fort accent marseillais et sa faible capacité à être discrète. Oh la grosse folle! La grosse folle, oui! Ah, c'est une grosse folle! Je finis le travail à 16h, je vais canner. Ouais. Canner, être dans un état de fatigue avancée proche de la mort. Entre parenthèses, exagération marseillaise. Oh, hier, il y avait un dégain en boîte, con! Tu fais trop bien. Il y avait un beau gosse en boîte, non? Un dégain, c'est. Dégain, c'est parfait. C'est un fou? Bah, non, c'est pas un fou, mais. Non, parce que. Non, parce qu'en fait, ça défaillait quand tu dis il y a dégain, c'est genre il y a rien, il y a personne. Dégain définit l'absence de personne. Voilà, il y avait dégain. Oui, personne alors. Pourquoi ils ont rajouté con à la vraie boîte? C'est débile. Il y avait personne de con. Cette fête a été tarpen dégain. Elle était trop. Trop personne. Trop personne? Tarpin. Tarpin, c'est bien. Bien. Tarpin, oui. Bien. Et dégaine. Elle était stylée, genre, non? Dégaine désigne quelque chose de super ou de trop bien. Ah, tu vois. Ah, tu demandes boucaner. De m'embrouiller. Grosse folle. Grosse folle cochinier. Vous pouvez emboucaner, prendre quelqu'un pour un imbécile ou ils se sont emboucanés toute la nuit. Est-ce que. Hein? C'est juste un mot. Est-ce que ça veut dire est-ce que comme vous? Est-ce que. L'escu est l'espèce de ver de terre qui sert d'appât voilà. Au bout de la ligne de pêche. Arrête de m'emboucaner, Fadoli. Ah! Ça, je connais pas. C'est comme Fada, je pense. Fadoli? C'est une variante, je sais pas. Le Fadoli est la forme affectueuse du mot Fada. Dès que. D'oreille. Ah, et j'ai l'autre bout. Dès que l'OM perd, ça marronne. C'est. Ça part. Ouais, genre, c'est pas content. Ah bah, il rage. Ça rage, ouais. Ne pas accepter la défaite. Se faire pointer. Tu tires ou tu pointes? Pointer, c'est genre. Tu te fais. Zap? Tu te fais. Piner? Tu te fais draguer? Tu te fais pointer? Se faire quitter par sa gonzesse ou se voir refuser l'entrée de boîte de nuit? Ah, tu te fais refouler. Mets-moi un pastaga. Eh, j'ai déjà entendu ça. Un pastis, un jaune, un fly, un 51, un ricard, ça peut être tout à la fois. Ouais, j'ai droit à quoi? Au con, hein. C'est un con. Marc l'étonnement. Si tu continues, je te mets un taquet. Je te mets un. Retourner. Coup sec et violent porté à la figure. Je prends plus le bus, on est tous esquichés. Serré. Ouais, c'est serré comme des sardines. Oh, maman, ton pantalon il est rainé. Il est rainé. C'est pourri. Quelque chose de has-been. Va te jeter au good. C'est good avec un jeu. Tu t'es à la poubelle? Les good est un petit village, port de pêche marseillais isolé, où jadis m'ont jeté les cadavres.
Non, c'est une voiture. De toute façon, je sais pas, quand on tourne une vidéo, il y a toujours un truc. Oh Marcel, tu tires ou tu pointes? Oh, tu tires ou tu pointes? Ouais, du coup, à la pétanque, un tirer signifie tenter de dégommer une boule adverse. J'ai quillé le ballon. J'ai perdu? J'ai tapé dedans? J'ai tapé dedans, ouais. Ouais, signifie perdre ou percher à une hauteur isolée. On est sur les expressions du nord de la France. Sissi représente. Tu vas brère. Là, tu vas brère. Le nord, non. Hein. Tu vas brère. Tu vas parler, non. Tu me fais chier. Je pense que tu vas rager, je pense. Non ouais, tu vas parler, ouais. Autrement dit, tu vas pleurer. Okay. Ah, mais oui, brère dans les. Quand dans les ch'tis, là, ils disent tu brères deux fois quand tu vas dans le nord. Quand tu arrives, quand tu peux. Ah, pars. Oui. La caillère. C'est un truc pour faire de la crème, non. La caillère, je connais pas du tout. C'est un endroit, peut-être. Quand un nordiste vous dit je t'en prie, assieds-toi sur une caillère, il fait référence à une chaise. Ah, ok. Je sais même pas comment ça se prononce. La wasang. Ça c'est la serpillière. Ah ouais. Des cacoules. Cacoules. Cacouille. À manger. Cacoules. Des bêtises. Ah, des bêtises. Habile. Ça veut dire vivement. Pour dire vivement les vacances, tu dis habile les vacances. Je suis bénache. Je suis bénaise. C'est-à-dire je suis bien, je suis posée, non? Je suis bénache. Je suis content, je suis heureux. Ouais. Ah, okay. Hey, Biloute. Hey, Biloute. Hey, chat Biloute. Hein? Bon, Biloute, c'est quelqu'un, quoi. Caboche. Si, j'ai déjà entendu ça. Caboche. J'ai mal à la caboche. T'as mal au zizi? Non. J'ai mal à la tête. Oui. Une tête. Ah oui, la cabessa, la caboche. La tête et le zizi, c'est pas vraiment un endroit. Il reste les expressions belges. Oh my god, qu'est-ce que c'est? Je sais même pas comment le lire. Ah ou si plou. Ah ou il plou, tu vois. Il plou très fort. Un trou perdu. Sa maison est vraiment à aussi plus. Atnaise, ça veut dire punaise, non? Genre merde. Ouais. Ah non, ça veut dire atonaise. Ah, mais pas atnaise, genre. Ils ont qu'ils ont raccourci. Ils ont la flemme de parler. Avoir bon. Avoir juste. Comme ils raccourcissent tout. Avoir bon. Avoir suffisamment chaud. Ah, il fait bon. Brosser les cours. T'es brossé quoi? T'as brassé l'air? T'as rien fait? Ah, sécher les cours. Ça m'a bien goûté. Ça m'a fait chier. Ça m'a bien goûté. J'ai goûté. Ça m'a goûté. Ça m'a goûté cher. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je pense. Cela m'a plu. Ça peut mal. Il pleut. Il pleut beaucoup. C'est fort. Ça peut mal. Ça peut mal tourner, hein. Il n'y a pas de danger, cela ne risque rien. Ah! Ça spit. Mais c'est trop dur. Pour les labitres, ça spit. Spit. Eh ben, ça marche parce que ça veut dire c'est avec la bouche. Ah bah tu vois. Ah oui, bah. Il n'y a qu'avec spit qu'on peut spitter. Donner une baise. Donner la bise. Dire bonjour. Ouais, moi aussi j'aurais dit ça. Donner un bisou. Être bleu de quelqu'un aussi, être amoureux, je pense. Ouais. Être épris de quelqu'un, amoureux. Être dur de comprenure. Majesté. J'ai pensé. Soir au Moyen-Âge. Être dur de comprenure. Mais tu comprends rien, quoi. Être long à la détente. Ouais, ouais. Il drache. Il pleut. Ah, on y est, ça y est. Il pleut averse. Il fait malade ou douf. Il fait chaud. Il fait malade ou douf. Il fait malade ou douf. Il fait malade ou douf. Il est malade ou douf. Ça veut dire il fait lourd, étouffant. Ah ouais, bah il fait chaud. Ah, il fait douf, lui. Il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. C'est pas comme il a pas les mêmes. Ouais, il lui manque une caisse. Ouais, c'est ça. Il n'a pas de gaz à tous les étages. Ouais, c'est ça. Mordre sur sa chic. Sa chic, c'est un bobo, une chic. Mordre, genre. Mordre la langue. Encaisser, prendre sur soi. Ah, bah alors toi, tu mords sur ta chic. Hein. Ah, bah moi, y'a plus de chic, ça y est. Se prendre une douffe. Zvadouf. Zaïm. Zepu. C'est genre une soufflante. Ouais, une soufflante, j'aurais dit ça aussi. En fait, j'ai un truc en tête, mais je peux pas le. Non, c'est pas ça. T'as pas honte? Non. C'est se prendre une cuite. Oh. Sucer de son pouce. Deviner quelque chose. Tirer son plan. Alors non, c'est pas tirer son coup. Tirer son plan.
C'est ouais, tirer profit de quelque chose, non? Avoir ce qu'on veut? Ouais, c'est se débrouiller. Vol pétrole. Ça me fait penser à ce qu'elle dit, Maïssa, dans le. Elle dit coup parfait, elle dit Brian, s'il continue à creuser. Ah, t'as perdu! Vol pétrole. Vol pétrole. Oh, vas-y, vas-y. Vas-y, enfin, bouge. Peut-être bouge, ouais. À toute vitesse. C'est fini! Déjà? J'ai préféré les dernières quand même. Vous en avez pensé donc en plus. Sans Pierre G. Ça vient d'où? Ça vient de. Du Nord. Du Nord? Ça se met dans la merde, non? Se prendre les pieds dans quelque chose. Ouais? Rayer le casque. Rayer le casque? C'est quoi? C'est quand tu te fais mal au crâne? Quand tu mords le bout de la queue. La queue laquelle? La queue du renard. La queue du chien. Ah, ça me dégoûte. Un temps carville. C'est normal, hein? Un temps carville, c'est. Un étang noir. C'est le sèche, ouais, le sèche. Ah. Bon, du coup, t'as perdu ta pieuvre en première. Bon, allez. C'était tout pour nous. À la revoyure. Ciao, ciao. Peace. Showing you never will cover.